cheveux ou ap kase, ou gen chit, ou gen problème santé, ou besoin conseil sur nutrition ak sport, émission bien-être et beauté, c'est un espace côté nous discuter des impacts la santé, la propreté ak environnement gagné sur bien-être moun. Émission bien-être et beauté a passé chaque samedi 7h PM, mardi 7h AM, vendredi 4h PM. Émission bien-être et beauté, c'est une émission tout neuf qui passe chaque samedi à 7h PM. Relais Centraca dans 43 06 42 85 pour information. Émission bien-être et beauté pour être belle et en santé. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'émission Bien-être et Beauté, émission que nous aimons en pile, que vous ne pouvez pas passer chaque samedi pour ne pas garder ou bien dimanche. Émission Bien-être et Beauté, elle passe chaque samedi à 7h PM, chaque dimanche à 2h PM, chaque mardi à 8h AM. Émission Bien-être et Beauté, d'habitude, nous gagnons nos deux invités, mais c'est toujours moi-même, Léonie Desroses, infirmière trichologiste, qui a dit au point de chaise bord, pour nous capables de présenter une belle émission. Pas oublier que nous avons une rubrique que nous avons ajoutée dans l'émission. Hein? Et à la fin, que nous avons un conseil, soit sous peau, soit pour cheveux, ou bien soit pour santé. Comme je dis à nous dans la santé, nous avons un conseil pour aujourd'hui. Hein? Est-ce que, nous avons posé des questions, nous avons une réponse dans la fin de l'émission. Hein? Est-ce que vous pouvez utiliser savon lessive, savon lavé pour baigner ou bien pour passer dans le visage? Ou mettre rester jusqu'à la fin de l'émission hein, pour capable jouer une réponse là. Mais je dis à nous parler de l'avortement dans l'émission Bien-être et Beauté. Et pour nous faire ça, nous avons un gynécologue qui est avec nous, c'est Dr. Grégory Boger, qui est gynécologue, qui nous dit bienvenue encore une fois dans l'émission Bien-être et Beauté. Nous sommes bien contents de regagner parce qu'ils sont habitués de la maison. Ah oui. Merci Léonie Desroses et nous saluons tous les téléspectateurs qui branchent l'émission ça qui de plus en plus a fait chemin et nous toujours vraiment féliciter travail ça et surtout et Centraca faut dire que en pile bon feedback et me passer travail là très bon et donc n'a continuer comme ça. Docteur Grégory, il y a monde c'est première fois peut-être capable et on a émission Bien-être et Beauté. C'est qui est Grégory? Oui, exactement. Bon moi c'est docteur Boger Grégory, c'est moi c'est obstétricien gynécologue et moi pratiquer pratiquement Adelma 31 numéro 26 et nous il y a une formation tout en laparoscopie qui c'est méthode de chirurgie avec des caméras etc. Donc une formation en colposcopie tout. Et donc c'est ça. Vous comprenez ça? Colposcopie, c'est qui ça? La colposcopie, hein, c'est en fait c'est une méthode utilisée pour examiner la colmatrice. Parfois, ce n'est pas imagerie. Mais c'est pour bon, bah, trop difficile pour vous comprendre. Oui, donc, bon, on connaît. Dans l'émission, vous voulez que comprenne tout le bagage. Donc, je dis, on parle pas de l'avortement. Les nous dit avortement en Haïti mon yo son thème péjoratif, il y a monde qui peut parler de ça, yo gêné. Qui ça avortement en général? Dans médecine qui ça nous relie avortement? Bon, en fait et moi très content question parce que en pile fois vraiment et dossier avortement ça l'irrité comme un tabou dans société hein? Et nous pral wè nan émission grand pile vraiment et définition que mon yo entend pas avortement mais selon Organisation mondiale de la santé yon avortement son grossesse qui terminé avant 22 semaines du moins 22 semaines dont produit de conception ça veut dire que ti moun nan parce que ça que sorti li pesé moins que 500 grammes. Naturellement nous même en tant que gynécologue gagne ça relé longueur crânio caudal oui. Bon ça son détail scientifique mais en général dès que yon ti moun fait avant 22 semaines li pesé moins que 500 grammes. Yo relé ça yon avortement. Est-ce que tu as un moyen pour le sauver parce qu'on parle d'un petit monde qui fait? Bon, là nous dit petit monde non produit de conception parce que là à 22 semaines là moins de 500 grammes, il est vraiment pas un moyen pour le sauver. Il pas viable. C'est ça que fait relé l'avortement justement. OK, ça veut dire gagne des fausse couche tout. Fausse couche là, c'est qui ça? C'est français ou bien créole? Bon, nous plus disait français. Ah OK. Donc, avortement c'est tout monde non fille qui enceinte qui pas arrivé 22 semaines, ça veut dire, faut me dire mon yoto, gynécologue, pas dit 2 mois, 3 mois, 4 mois, ou dit, pour un mois, ou dit 4 semaines, 2 mois, 8 semaines, 3 mois, 12 semaines, exact. 4 mois, 16 semaines, 5 mois, 20 semaines. Donc, vous venez voir que son petit monde qui n'a 5 mois et demi. Exact. Jean,
et moun yo contrôler le dehors. Donc mes gynécologues, moi même tout comme si dans domaine pam nan, les moun nan di m li font des frisants, ils font des frisages, me régler m'ti combien semaine ça gagne. Ou di telle date, pas di m ou gagne 3 mois ou gagne 2 mois. Donc c'est semaine dans domaine ça ou utiliser. Mais là ou di avortement. Est-ce que c'est moun nan décider avorter ou bien c'est ti moun nan tombé pour contre ou bien c'est parce qu'elle tombé qui ça passé? Bon exactement et avortement gagne deux parties là-dedans, faut que nous dise ça, gagne avortement provoqué, gagne avortement spontané. Avortement provoqué, c'est qui ça? Soit prend médicament, bien que la législation haïtienne jusqu'à présent condamne, mais il fait de manière clandestine et c'est à travers le monde, mais certaines législations aux États-Unis, en France par exemple, ils ont accepté et autorisé mon yo utiliser pratiquer. Mais maintenant lorsqu'on parle du avortement, ou gen doit gagner yo moun tout qui vle yon ti moun qui fait un avortement spontané. Année. Là ça c'est pas moun nan ki boit rien, c'est pas moun nan ki fait rien pour ça, mais li juste rete ti moun nan tombé. Ou bien sans vin sou li, li senti douleur en bas avant et cetera ou du moins et donc là ça ti moun nan tombé et c'est avortement spontané ou du moins et utiliser tout mot fausse couche spontanée. OK. Pendant on t'a parlé ou dit gen deux types d'avortement, gen avortement provoqué que relé IGV, IVG. IVG. Donc et c'est interruption volontaire de la grossesse, c'est ça c'est que l'on dit. Mais il n'est pas légal en Haïti, mais des études faites montrent que grand pile cas IVG qui fait. Et me pensais, ou grand pile monde qui pensait même bagarre, s'il était légal, mon t'a prendre un cas un technicien, un professionnel pour faire le voulait faire dans de meilleures conditions. Le fait que il illégal, mon yo jeune n'importe charlatan mettez vie en danger, santé en danger et au faire avec ses sous, me demander est-ce que c'est vrai? Avec ces sauts que après tirer Timonio, donc c'est terrible. Mais aujourd'hui on n'a pas les plus Napchita, docteur Boger, sous avortement spontané ou bien fausse couche spontanée. Pour qui ça? C'est parce que n'a pas ça qui bat Timonio, problème psychologique, problème vraiment de bien-être. Exact. Avortement spontané ou bien fausse couche. Et qui ça qu'a font fille fait un avortement spontané ou bien fausse couche spontanée? Bon, je suis très remis sur ce sujet, parce que c'est un sujet bien que well paraît simple, mais c'est un sujet qui est assez, et bien qui a pile d'état, pile théorie sur lui. Lorsque nous parlons de fausse couche spontanée, il y a fausse couche spontanée précoce, avant 12 semaines, et il y a fausse couche spontanée tardive, tout, qui fait après 12 semaines. Okay. Ça veut dire en 12 et 22 semaines. Maintenant, fausse couche là, il y a un ensemble de causes qui peuvent expliquer que les gens font fausse couche. Ça ne veut pas dire que en pile fois, les gens et bon, ça même dans tes fonds, on grossesse, les faire fausse couche. Bon, on peut pas faire le tout du moins. Donc, un ensemble de causes. Maintenant, nous avons mis par catégorie. Exactement, parce que en pile, que ce soit des causes infectieuses, il y a certains types d'infections qui sont à la base d'une fausse couche spontanée, que ce soit des infections bactériennes. Il y a des germes qui sont à la base, il y a des virus, tout, des germes, tant qu'il y a plasma, toxoplasmose, des parasites, tant qu'il y a toxoplasmose. Par exemple, le plus souvent, l'homme est enceinte, en plus, fois, il ne peut pas quitter le chat, si le chat n'a pas garanti que les chat est vacciné, etc. Pour, parce que toxoplasmose, parfois, il traverse le chat à la fille enceinte. Et le ça, ou gagne, ou il y a un risque de fausse couche spontanée. Ensuite, il y a l'autre virus, surtout virus CMV, etc. Cetera, rubellose, donc gon ensemble de germes dans cadre infection yo qui ka cause yon moun fè couche spontané. Dans cadre infection, c'est avant 12 semaines nan moun nan fè ou bien n'importe la de. Le plus souvent avant 12 semaines, mais dans infection yo gagne des causes par exemple qui ni pour avant 12 semaines ni pour après. Donc ni pour précoce ni pour tardive. OK, précoce. Parce que identifier certains germes qui très fréquents le plus souvent. Maintenant, il y a d'autres causes, il y a des causes mécaniques tout. OK? Mécanique là ça veut dire que ça. Nous connaissons que normalement et grossesse là, il développé en dedans matrice là. OK? Donc côté pour ti moun nan développé, il supposé et bien à même de recevoir le fœtus qui va ça va le développer. Donc parfois moun gen doit gen de gros fibromes par exemple dans matrice là qui entre dans cavité, ça nous connait rele par exemple intra cavité ou bien type 0 si nous voulons plus moderne.
Mais maintenant, en pile fois, ça clan a commencé à développer à cause de pression que fibrom ça a fait en dans matrice, qui a causé que moun ça li ti moun a commencé à développer, li tombé ou du moins li wè sang, col la ouvri et cetera. Gagnent tout et parfois gagne de moun qui gagne des malformations congénitales, ça veut dire matrice fille pas bien faite. OK, li gen do gen moun ki konn gen matrice ki fèt an deux, l'utérus di Delph. Donc ou du moins un utérus unicorne, matrice gen do son seul konn ni genyen et puis li pa bien fèt. Donc gen ensemble de malformation vraiment ki konn à la base. Non mais est-ce que moun n'a pas ka konn ça d'avance? Justement, c'est ça qui fait que autrefois là nous t'a parlé dans une émission que gen ça relé bilan gynécologique, yon moun au moins ou pas attendre c'est là que ou fin marié ou du moins c'est là que ou n'a besoin pour connait qui jan matrice ou fait, faut au moins ou gon consultation gynécologique au prime abord qui t'est gardé est-ce que matrice ou en forme etc. Est-ce que trompe ou pas bouché, surtout lorsqu'on va entrer dans le dossier mariage, parce que nous connaissons déjà dès qu'on est marié après les premiers mois, les premières années, toujours gagner le désir d'avoir un enfant dans le foyer. Donc ça, c'est important. Maintenant, dans le cadre mécanique, surtout, il y en a nous rencontrer souvent, c'est ça, il y aurait les béants cervico-ismiques. En fait, nous avons son terme. Mais qui s'appelle colla incompétent. Colla coûte. Normalement, nous connaissons que dès que colla moins que 20 mm, moins que 10 mm, li ouvri. Li gen tan bon douette qui ka entré là-dedans. Li rete ouvri comme ça, c'est ça nous l'on béance, donc colla incompétent. Donc lorsque nous dans situation ça, moun nan li même li gagnen possibilité le enceinte et puis moun nan tombé. Li gen doit aller dans toilette comme ça, la forcer, la mais dans cas ça moun konnen nous konn fait séclage pour moun nan. Oui, n'a parlé, c'est de cause. OK, donc oui. Donc dans le cadre ça c'est mécanique parce que questions sont posées à son paquet de chapitres. Oui, oui. Donc oui, ça c'est des causes mécaniques côté que ou gagne colon qui gagne doit ouvrir et gagne ça relé DES utérus et diétil style bento bien que dans les années 70 bien que pas utiliser le connia. Dans les années 70, il était qu'on utilise un médicament diétil bestrol qui pour mesdames empêcher que vous fait accouchement prématuré et médicament ça lui même par la suite t'est venu bâti bébé fille au problème cancer matrice bon cancer surtout vagin. Des malformations oui il bail genre de problème ça surtout des malformations donc en pile petit monde qui t'est fait dans période ça yo que maman yo t'est prend médicament ça t'est venu gain des soit yo gain col yo trop court soit yo gain col yo et matrice mal formée etc. Donc ça c'est une cause tout qui est à la base de et avortement spontané. Il y a des causes génétiques tout parfois c'est dans 28% des cas il y a des causes génétiques, il y a des malformations chromosomiques tout surtout dans avortement précoce et parfois quand c'est petit monde son bas intrinsèque parfois même quand jeune des monde qui désespéré qui mais en fait parfois c'est pas ni ou même qui cause c'est pas dans ou même problème là ti moun gen droit gon malformation chromosomique et puis voilà li tombé et grossesse sans pas compatible avec la vie et puis li rete pour compte li tout ça aussi des causes gen parfois tout des causes immunitaires et gen des causes vraiment environnementaux moun ka fume en pile alcool yon moun ki nan zone industrielle yo ki gen arsenic benzène en pile bagay donc c'est en pile cause ouais j'ai pas fait toute émission parler là parler de cause de et avortement spontané oui justement et côté que n'a pas parlé par exemple sous fait brancher ou suivre émission bien-être et beauté aujourd'hui on a parlé d'avortement et nous focaliser nous chita sur avortement spontané ou même qui enceinte ou bien gen madame qui connaît cette la perte de monde donc c'est pour bagay simple. OK, moun nan besoin support psychologique parce que Jean docteur a expliqué ça a gran bonne bagaille que moun yo pa konnen et yo pa maîtrisé ou tout, faut que tu gen information au préalable, c'est ça fait nous toujours di moun yo al fon bilan. Al wè docteur pour capable konnen nan ki niveau yé, ki so ka fè pour capable éviter une série de tracas à la longue. Donc Jean mwen bagaille lan là, son bagaille compliqué. Alors pas connait si parce que une et cause yo qui très fréquent nous même ici en Haïti là tout c'est les problèmes hormonaux, c'est problèmes par exemple mon gen doit gon problème surtout nous te parler dans dernière émission de ovaire micropolykystique, syndrome ovaire micropolykystique c'est une cause. Non, on n'a pas pensé à la base.
li kon ansèt tout li perdu li gon insuffisance vitéale parfois kon c'est parfois moun gen doit pas gagner problème hormonal et ouvert micropolykystique tout pendant l'ansèt la gon insuffisance vitéale ça veut dire que li gon problème de hormone qui pas suffisant pour gérer n'a pas monté suffisamment pour supporter grossesse ça parce que dès les premières semaines jusqu'à 8 10 semaines c'est ouvert là c'est corps jaune qui supporter grossesse parfois kon joine partie ça qui défaillant et puis moun nan et font avortement spontané. Donc ça est très important et parfois tout gain thyroïde là tout qu'on gain problème qui cause mon nan et gagne un problème avortement non, spontané. Non mais OK, ça c'est mon nan qui finance ou bien qui gain habitude ou bien qui perd un petit monde ou bien qu'on perd 2 3 parce que des monde qui on une dame qui dit ni fait 7 avortements avant de gon petit monde. 7 avortements en pile patience, en pile support moral et comme ça monde qui chrétienne tout, il dit ni prier en pile, font pile jeûne. Donc cet avortement c'est vraiment c'est insupportable, c'est baronné comme des fois mon yo dit c'est injuste. Donc c'est ça, ça veut dire jodi an nous chita sou ça parce que nous toujours dit mon yo ça qui bay problème parce que mon nan li même li ballon ça bal mon nan problème. On pense un monde qui ka perdu en pile ti moun chaque fois l'enceinte li perdu ti moun depuis l'enceinte, on pense que psychologiquement li pa prêt et qu'on y a là au même temps que médecin besoin en pile travail pour faire pour rassurer mon nan et des fois il y a un paramètre qui échappe au médecin parce que la médecine je le dis toujours ce n'est pas une science exacte exactement et surtout oui. Et une nan l'autre bagaille tout dans soi dire là parfois il faut mettre l'autre petit aspect qui qu'on mêler dans question en tout puisque parfois et lorsque mon nan comme ça et mariant inquiet il y a des problèmes psychologiques au niveau du foyer et surtout l'autre famille qui parler dans cause. Oui. Donc c'est là-bas la vie plus compliqué. Donc moun ne pral sans estime de soi et moun ça ou du moins étape psychologique dès que le temps des deux trois moun k'ap parler de ça donc les vinn vraiment et surtout en de mauvais termes si c'est le cas donc c'est ça surtout. N'a proposé n'a tourner nous pral continuer avec cause parce que ou ba men peu là. Nous pral continuer avec cause mais faut passer prendre monsieur tout parce que des fois on dit c'est lèvre clair, j'aime n'a pas et consistant parce que moi ba mesdames yo, on y a faut tourner est-ce monsieur pas gon pas de responsabilité les gagner avortement spontané. N'a proposé n'a tourner. Mes amis, tendez une bonne nouvelle. Centre Kalouvi yon l'école cosmétologie nan niveau international. Dans le centre à l'école cosmétologie et stage pratique dans le pays à tant aux États-Unis, examen l'état ou même qui dans les États-Unis, c'est une garantie. Comme nous tous connaissons déjà, l'école là a dirigé par un tricologiste certifié dans l'Institut américain Tricologie. Les 20 niveaux cosmétologie a passé jeudi à même dans Delma 31, rue Jacques Premier à côté de la Pose Hôtel. Place limitée. Pour plus d'informations, relevez 31 53 55 39 43 06 42 85. Avec Centraca l'école cosmétologie, soyons des créateurs de beauté. Centraca l'école cosmétologie a fait tout esthéticien avec tout l'autre monde qui s'est intéressé que Centraca gagne 4 séminaires qui programmé pour l'année qui vient. Séminaire sous tes cheveux, séminaire sous maquillage, séminaire sous traitement cheveux, séminaire sous coupe et coiffure. Séminaire ça yo a réalisé avec spécialistes États-Unis tant qu'en Haïti. Fini vite, fini augmenter connaissance sous pour qu'a faire plus l'argent. Prix chaque séminaire c'est $50 américains. À partir de janvier, on va payer $70 américains. Passez jeudi à même dans Delma 31, rue Jacques Premier à côté de la Pose Hôtel. Place limitée. Pour plus d'informations, relevez 31 53 55 39 43 06 42 85. Avec Centraca l'école cosmétologie, soyons des créateurs de beauté. Mesdames, chevin se fiaten? Si m'ta reme gen bel cheve bien founi, mande produit Centraca yo. Gam produit Centraca yo bon pou cheve naturel tan kou cheve permanent. Ti moun kon gran moun ka servi ave yo. Si chevo rabone, yo pa pran nan permanent, bote tou kale, yo pa bel, yo fè chit, yo pa founi, yo gen kap. Exige produit Centraca yo nan tout famasi, market ak studio de beauté. Tout fom ki fom servi ak produit Centraca. Rele Centraca nan 31 53 55 39 43 06 42 85 pour information.
sans caca pour une chevelure à fière allure. Nous tournons après posant, pas oublier de suivre l'émission Bien-être et Beauté, une émission qui passe chaque samedi à 7h PM, chaque dimanche à 2h PM, chaque mardi à 8h AM. Émission Bien-être et Beauté, c'est une émission qui est supportée par Polyclinique Christina, deux adresses pour vous servir, Carrefour Clessine ou bien Rue Saint-Honoré, numéro 94, Dr. Watson Exantus, pour quel que soit problème, infertilité, garçon, ou bien ou besoin de faire circoncision, ou bien ou pas qu'à monter moi, il n'y a pas. Parce qu'on a bêtise dans la ou bien avec ses ménageants. Donc, adjoint docteur Exantus pour le mettre en double puissance sous en tant que garçon. Donc, référence, docteur Watson Exantus, Polyclinique Christina. Chaque jour, lundi au samedi. Son docteur qui fait 100% clinique. Son émission qui est supportée par Centraca, école cosmétologie, Centraca, produit pour les cheveux. Centraca, clinique, peau et cheveux. Quel que soit problème, peau gain, quel que soit problème, cheveux gain, référence, là, c'est Centraca. Nous démocratiser. Marché à faire de prendre soin peau, prendre soin cheveux. Aller dans Centraca chaque jour, lundi, dimanche ou vendredi, excepté samedi, 8h, 5h, ou capable de relayer pour prendre rendez-vous spécial. Et quel que soit jour férié, Centraca ouvre. Et nous avons une annonce spéciale pour tout le monde qui t'a aimé. Sauver la vie, moun la kayou, zamion, quel que soit côté, ou bon moun gon problème. Bon séminaire qui fait 24 février dans le local Centraca, rue Jacques 1er, Delma 31, qui relaie les gestes qui sauvent. Séminaire ça privé possible grâce à Fernberg et Nursing Care et Centraca. Donc nous font formation pour tout le monde qui a besoin de gagner et dans le domaine médical ou dans le domaine médical ou venir tout, mais quel que soit le monde capable de venir suivre formation ça, les gestes qui sauvent. Donc qui ça pour faire le monde pas bien bon côté ou capable de faire bagaille ou envier des monde dans cette tuyauterie. Donc venir dans formation ça, si on accident fait devant pour connait, si on monde gros problème là carreau pour connait. Retenez la date, c'est 24 février, yon dimanche. La fête 9h pour 3h dans le local Centraca. Prix à c'est 3500 gouttes pour passer payer dans Centraca, dans Delma 31, rue Jacques 1er. Donc, jodi an dans l'émission Bien-être et Beauté, on a parlé avec Dr. Grégory Bogé, gynécologue, sous avortement spontané. Nous avons parlé de causes sous tes fèk branché, on a continué. Et docteur a te parlé gen cause mécanique, gen cause hormonale et puis tout gen cause sous gon infection pas traitée ou bien mal traitée. Donc où est docteur nous mes amis pour éviter gens de tracas ça. Docteur Grégory, qui l'autre bagarre encore ka fon moun fè un avortement spontané? Exactement, donc nous t'ai parlé de cause et le plus souvent que moun yo consulté pour les ces problèmes hormonaux. J'en nous dit parfois moun a kon problème thyroïde et que il peut thyroïde surtout du moins il perd tout dans certaines circonstances. Que ça balit des avortements spontanés, mais parfois tout il y a des maladies immunologiques, par exemple, alors bah on est moins abdimoyola et bon, il y a pas à comprendre quand même, qu'est-ce qu'a eu le syndrome anti-antiphospholipide qui la donne, lupus, etc. L'auto-immune, c'est quoi même comme maladie? C'est quoi en cap vous même compte. Et bien grossesse ça arrivé et nous t'ai parlé tout de bah génétique de cause génétique parfois quand c'est une mutation son gène que tout le monde prédisposé les fait avortement parfois tout le monde qu'on gagne des problèmes chromosomiques ça veut dire que un chromosome qui manquait etc. Donc ou une trisomie qui arrivé que monde vin gagner un avortement spontané le ça c'est ti moun mais pas oublier tout gen certaines maladies chroniques en pile fois qui qu'on a la base de ça par exemple la hypertension artérielle ka fait moun nan faire avortement exactement ah, en pile oui, fois hypertension artérielle là yon hypertension artérielle qui mal contrôlée qui très résistant qui très élevé même au premier réfractaire même au premier trimestre ou ka gen des avortements spontanés parce que justement en pile fois nous connaît hypertension l'gérer c'est li qu'on à la base dans grossesse là bon c'est un dossier qui très important dans grossesse pré-éclampsie li ka ba attaque éclampsie caïmonio ka ba ça nourrit la abruption li ka ba pile l'autre problème et au cours de la grossesse ça veut dire deuxième troisième trimestre mais parfois tout yon hypertension qui réfractaire qui arrive mon entrer dans grossesse avec toute hypertension très mal contrôlé parfois tout qu'on a à la base de ça le diabète aussi c'est une cause qui est très fréquente et qui est à la base de un avortement spontané donc diabète qui mal contrôlé depuis 10 ans j'aime dire de micro à passer comme ça comme si monsieur pas gagne responsabilité l'on fille fait un avortement j'aimerais bah là tout bah yo c'est mesdames yo c'est mesdames yo pas gagne yo pas incriminer monsieur bon en fait parfois qui ça nous dit c'est que monsieur yo
le plus souvent lorsque avortement spontané en fait dès que il y a fécondation ça veut dire que garçon a gagné danger participe là fiato parce que faut tout de là et justement parfois ou qu'on gagne de ça nourrir les F clair tout F clair là parfois qu'on gagne F fécondé qui manque en information soit que ovule là était vide il manque noyau ou du moins tout un spermatozoïde de mauvaise qualité qui doit venir bailler un mélange les gagne un brassage qui fait pas oublier que il y a 23 chromosomes dans noyau par garçon et puis 23 dans fille bon brassage qui fait donc c'est ça qui fait que ou gagne doit gagner même né avec papa ou gagne même yeux à maman et cetera donc c'est ça mélange là qui c'est brassage ça qui fait mais parfois ça qu'on arrive tout que brassage il pas bien fait et le ça et bien ou gagne risque pour qu'on gagne ça relé œuf clair et œuf clair dans lui-même son grossesse qui pas gagne l'autre cause toujours dans œuf clair dans paquet cause que nous pas rentrer son sujet pour qu'on parle mais parfois tout qu'on gagne œuf clair là qui fait et que le ça son grossesse qui pas gagne la donne il y a l'autre type de grossesse tout et qui dans cours des grossesses molaires côté que au lieu qu'on gagne 23 chromosomes ou gagne triploïde côté qu'on gagne 69 chromosomes tout ça ça qu'on rêve que c'est pas tout le monde enceinte que son petit monde qui dans enceinte là on gagne droit enceinte tout son masse de placenta là-dedans donc ça bon. C'est des sujets mais yo tout yo bail avortement spontané et c'est ça qui relé et comment dirais-je perdition hein qui ça mon relé perdition hein? Bon, en parenthèse, oui, parce que nous parlons de perdition. Ok, nous parlons de perdition. Le docteur Charles Bina, vous nous parlez de ça. Justement, perdition, j'ai eu une chance de travailler en province, et bon, moi, j'ai eu une province, tout, qui vraiment, son connotation, je vais comprendre à travers, et j'ai eu une comprendre. Perdition, j'ai plusieurs connotations. Parfois, j'ai eu une chance associée à des choses fétiches. Les dit que les enceintes yo boite moun nan devant li ou bien li gon moun ki fè lon bagay pou ti moun nan tombe. Mais ça que me réaliser en tant que médecin qui fait plusieurs années à travailler à côtoyer des moun qui parlent de ça, moi ouais que c'est des avortements spontanés. OK. C'est deux moun qui enceintes. Sage femme ou bien dans zone surtout dans les sections communales où jeune moun yo parfois ils sont matron qui manyen yo parce que matron nan li même qui technique li gen dès que grossesse sans pou ko dépasser pubis nan li pou ko ka connait li pou ko ka vérifier que l'enceinte dès que l'entrée mel li senti matrice augmenter de volume eh madame ou enceinte parce que le plus souvent moun yo ça passe de 3-4 mois c'est le ça yo al wè matron nan donc en pile fois moun sa yo kon fait des fausses couches spontanées et puis y a baissant parce que nous connais fausses couches spontanées sont pas font on prise en charge pour lui et bien ça m'a duré vraiment pile temps ou du moins parfois même il quand même transforme en hémorragie donc moun sa yo parfois qu'on fait 3-4 mois à baissant parce que pas vinn kay docteur pour venir faire le nécessaire et puis yo connerel perdition parfois tout c'est le même cas d'avortement récurrent ça veut dire mon font premier son avortement spontané quelques mois après elle font deuxième avortement spontané c'est comme ça mon yo kondou yo gon ti moun qui fait 2 ans 3 ans devant yo parce que justement après plusieurs oui justement parce que moi vraiment te font étude sur ça pour moi qui ça exactement mon yo relé comme ça mon kon fait plusieurs avortement spontané et puis après plusieurs li réussit son grossesse mais elle dit que il est enceinte depuis par exemple mon yo a vinn koto la de l'enceinte depuis 2018 depuis début 2017 peut-être fin 2017 et que le pour jambe donc c'est comme ça et c'est situation ça qui explique ça donc c'est la réalité ouais chercher comprendre mais la médecine pas reconnaître ça parce que depuis mon elle est enceinte et puis là toujours après saignement justement il dit que pas qu'a gagner mariage entre pas qu'a gagner règle pendant gagner enceinte comme nous qu'on font menace tout si mon qu'on pas tomber ils font menace d'avortement et puis ils dit que l'en perdition parce que il t'a baissé sang pendant l'enceinte etc. Donc pour connotation ça c'est comme ça considérer mais qui ça nous OK ou tes bonne définition avortement c'est un monde qui est enceinte et puis perdit ti mon inférieur ou égal à 22 semaines
OK? Oui. Et l'autre monde qui perd ti moun yo après ça, comment nous relé yo? Relé normalement et pour nous même là en Haïti même après 22 semaines là jusqu'à 25 semaines nous pas ca sauver yo. Ça veut dire rester dans cadavreton toujours. Ti moun ça rester dans cadavreton. Mais à partir de 25 semaines par exemple, 26 nous te ca dit pour nous même en Haïti même, c'est mort fœtale ou du moins accouchement prématuré. Sou bon ti moun qui mourent devant tout à partir de 25-26 semaines, nous relé le mort fœtale. Nous pas avortement là encore. Okay. Tandis que s'il te mourir avant ou du moins si qu'on fait un petit monde à 26 semaines comme ça, n'a relé ça un accouchement prématuré. OK. Donc c'est ça. Bon. Docteur a parlé en pile là sur complication et pas complication non, sur cause yo. Sur cause qui capable faire un monde faire avortement et complication. Bon, et en partie n'a pas reste là non, complication. Oui, complication hein, c'est que faut avant tout faut parler de le plus souvent qui signe et symptômes que mon yo qu'on senti avant que yo même faire avortement parce que parfois si mon vini avec les premiers signes n'a pas parlé de avortement spontané parfois nous ca font prise en charge. OK, il y a moyen pour le sauver parce que nous sommes parler là, il y a des monde qui connaît bien biance du col, son cerclage pour nous faire pour empêcher que grossesse ça tomber. Il y a des monde qui gagne insuffisance hormonale, par exemple, on a baillon tissant dès que ou enceinte ou connaît qu'on enceinte, eh bien ou absent son enceinte là, au début, il suffit que faut voir docteur automatiquement. Mais qui ont des gens compliqués parce que me connaît gagne des filles qui gagne règle chaque 3-4 mois. Par exemple, des gon consomme l'aime de Notre-Dame. C'est trois fois par année il gagne règle. Ça fait tout le monde connaît pas ta bien Simon mais li dit li pas ham connaît l'enceinte parce qu'il pas habitué avec règle chaque mois. Comment elle a fait connaître ça lui-même? Bon justement c'est ça que fait lorsqu'on parle de monde qui gagne règle 3-4 fois par mois puis le fois monde ça c'est des monde qui gagne des syndromes ovaires ou bien l'autre problème. Mais c'est monde qui enceinte qui gagne petite m'a dit que dans cas ça parce que dit que son ovulation sporadique. Oui, OK. Donc et même lié Sam Abdoulah oui OK nous t'a parlé de avortement des monde ou dit automatiquement nous tenons signe et symptôme oui. Automatiquement nous prend premier signe le premier signe c'est qui ça c'est saignement bon le plus souvent et premier signe c'est saignement mais parfois tout gen moun ki konn gen des saignements sans que pas senti douleur en bas ventre là mais en pile fois tout gen moun ki konn gen douleur en bas ventre là avant yo senti tant que c'est règle yo pral vini bon pour moun ki konn gen douleur pendant règle yo yo konn senti c'est tant qu'on disménorrhée ça veut dire et puis après yo bay sa donc dans cas ça en pile fois condition infection à la base mon konn fait plusieurs jours plusieurs semaines avec ventre fait mal là et puis après les vin bay sa ça c'est une dans cette yo ensuite tout parfois mon c'est sans directement que le bay et pendant ça pendant temps ça mais ça qui est important c'est que automatiquement mon nan bay sans pas veut dire que grossesse l'a perdu. OK. OK. Parfois mon nan konn vini et côté nous, vini ka gynécologue, ou wè que ti mon nan gen activité cardiaque, fœtus là et ou bien embryon li viable mais yo font prise en charge. Parfois ça konn rive tout que prise en charge n'a pas ka marcher parce que justement nous t'ai parlé nan cause yo gen des bay chromosomiques, gen des cause gen des problèmes génétiques tout. Oui. Donc gen problème qui konn intrinsèque à ti mon nan. Ti mon nan konn gen syndrome polymalformatif, ça veut dire que il gen des malformations qui pas permettre que l'évolue. Donc là ça va ka faire. OK. Ça c'est ça mon nan ka senti. Donc exact. Je pense que nous pourrons le proposer là, mais avant que nous proposions, nous avons rappelé que nous avons suivi l'émission Bien-être et Beauté, nous avons parlé d'avortement et nous avons parlé dans la première partie de l'émission sur qui est un avortement et qui gens sont capables de reconnaître que vous faites un avortement et puis qui est qui fait que vous faites un avortement. Et nous avons parlé là tout de signes et symptômes, donc vous êtes capable de douleur, vous êtes capable de saignement. Donc, premier ça pour faire c'est courir à l'hôpital docteur. L'aime dit courir pas courir pendant un problème non. Donc c'est pressé vite faire au menon caï docteur. On pense que toute fille qu'on y a qui intelligente, qui avisée, qui c'est téléspectatrice bien-être et beauté, on connaît faut que un gynécologue en tant que fille et son garçon faut qu'on gagne un urologue. Donc c'est ça pour capable éviter, c'est pas les balles arriver trop tard que ça crier pas fin. Hein. Crier c'est éviter crier parce que l'eau crier elle va pas résoudre problème là. Donc n'a propose là n'a tourner n'a venir parler de complications avec conseil. Pas oublier nous aujourd'hui nous on a réponse pour est-ce qu'on doit utiliser savon lessive pour baigner ou bien pour passer dans visage. N'a pas dire pour qui ça
qui soit café. Donc, red branché n'a tourné. Mesdames, cheveux c'est fiatin. Si vous avez des belles cheveux bien fournis, mandez produits Central Kayo. Gamme produits Central Kayo bon pour cheveux naturels tant que cheveux permanents. Si moun kon gran moun ka servi avec yo. Si cheveux rabonnés, yo pa prendre en permanent, bote tout calé, yo pa belle, yo fè chit, yo pa fourni, yo gen cap. Exigez produits Central Kayo dans toute pharmacie, market ak studio de beauté. Toute femme qui femme servi à produits Central Kayo. Relais Central Kayo dans 31 53 55 39 43 06 42 85 pour information. Central Kayo pour une chevelure à fière allure. Mes amis, tendez une bonne nouvelle. Central Kayo ouvre l'école cosmétologie dans niveau international. Dans Central Kayo l'école cosmétologie, et stage pratique dans pays à travers les États-Unis, examen l'état ou même qui dans États-Unis, c'est une garantie. Comme nous tout connaissons déjà, l'école là a dirigé par un tricologiste certifié dans l'Institut américain Tricologie. Les 20 niveaux cosmétologie passé jeudi à même dans Delma 31, rue Jacques 1er à côté la Pose Hôtel. Place limitée. Pour plus d'informations, relez dans 31 53 55 39 43 06 42 85. Avec Centra à l'école cosmétologie, soyons des créateurs de beauté. Centra à l'école cosmétologie a fait tout esthéticien avec tout l'autre monde qui s'est intéressé que Centra a gagné 4 séminaires qui programmé pour l'année qui va venir. Séminaire sur tes cheveux, séminaire sur maquillage, séminaire sur traitement cheveux, séminaire sur coupe et coiffure. Séminaire ça yo a réalisé avec spécialistes États-Unis tant qu'au en Haïti. Fini vite. Fini augmenter connaissance ou pour qu'a faire plus l'argent. Prix chaque séminaire c'est $50 américains. À partir de janvier, vous va payer $70 américains. Parce que jeudi à même dans Delma 31, rue Jacques 1er à côté la Pose Hôtel. Place limitée. Pour plus d'informations, relez dans 31 53 55 39 43 06 42 85. Avec Centra à l'école cosmétologie, soyons des créateurs de beauté. Nous bien content de tourner après pause. Nous bien content de brancher toujours à suivre l'émission Bien-être et Beauté. Une émission qui passe chaque samedi à 7h PM, chaque dimanche à 2h PM, chaque mardi à 8h AM. Émission disponible sur YouTube. On y tape émission Bien-être et Beauté. Vous avez un pile sujet qui intéresse ou bien qui intéresse les amis. Et vous avez un doute et conseils sur santé, sur bien-être, sur beauté. Aujourd'hui, on a parlé de avortement. Spontané, bien entendu. Et pas oublier que dans la première partie de l'émission, nous avons une pile d'informations. Sous rater juste pour une reprise. Là. Donc, ou pas rater l'émission ça parce que nous avons une pile d'informations sur lui. Et l'émission ça arrive possible grâce à Polyclinique Christina, Kafouklessine, rue Saint-Honoré, numéro 94, Dr. Watson Exantus, urologue pour servir. Tout problème santé en matière de urologie, c'est Dr. Watson Exantus. Pas Alkaï Rakete, mes amis, Alkaï médecin expérimenté. Émission est supportée par Centra Kayo. Vous besoin apprendre coiffure, manicure, pédicure, sous tout genre, comme si standard international, ou capable de venir son formation en 3 mois. Pour cosmétologie, c'est vrai, ou là pour l'autre année, l'autre année parce que nous pas prendre monde on l'école sérieux pas capable faire inscription chaque mois. Donc nouvelle session a déjà commencé, nous pas capable prendre monde pour cosmétologie malheureusement, nous pas capable prendre monde mais coiffure c'est chaque 3 mois session a commencé ou capable venir dans coiffure ou bien manicure avec tout design, tout son besoin, tout tresse, tout bagaille ou capable venir apprendre. Pas bien après rappeler que y a un séminaire sur les gestes qui sauvent, qui ça pour faire sur un monde qui boit coteau qui gon problème. Quel que soit mon ou yo capable apprendre son séminaire pratique mais qui ça pour faire dans tel cas. OK, la fête 24 février dans local Centra Kayo Delma 31 rue Jacques 1er priant c'est 3500 gouttes nourriture certificat et puis exercice pratique. Docteur Grégory, complication qui ça arrive au monde qui OK, qui fait avortement spontané qui OK, très bien. Donc et que ce soit provoqué ou spontané, mais mm-hmm. là, nous avons spontané instinctivement. Mm-hmm. Et complications à votre humain, pile fois, et gagné,
eh bien gen sak très redoutable tout pas oublier que ou kon gen des complications infectieuses moun kon font infection par rapport avec avortement et qui kon parfois même entrer dans sa nourrile dans langage médical en septicémie ça veut dire que moun nan vin gen infection généralisée et si pas bon prise en charge qui fait c'est moun ça pas le kay docteur pour que le font prise en charge parfois même ni kon yon nan cause de mortalité. Donc une première bagage c'est complication qu'on rive dans ça c'est ça mais ça pi courant qui rive hein, c'est surtout anémie que mon yo vinn gagne à partir de hémorragie que yo gagne. Donc le plus souvent c'est ça qui rive heureusement et en pile nan cas en pile un gros infection yo parfois c'est des cas le mon y a caché c'est surtout dans avortement provoqué mais dans spontané le plus souvent son mon cap cherche un petit monde donc il toujours fait le devoir pour la loi docteur donc et le plus souvent c'est hémorragie hein, que nous connait dit qui très courant qui connait vient mettre mon dans un état d'anémie soit d'anémie modérée ou bien sévère tout parfois mon connait même besoin surtout dans temps d'ivio parfois mon connait même besoin pour une transfusion etc c'est que le pas le docteur attend donc ça ce sont des complications et une autre bagaille tout et le plus souvent que nous supposé dit c'est parfois tout et risque pour que ça refait encore. OK pour mon nan refond l'autre avortement. L'autre avortement. Donc ça c'est une bail pour ne pas négliger tout. OK. Là nous parler de qui ça ka fait mon faire avortement, qui ça avortement y est, signe symptôme, complication, prévention. Qui sont mon ka fait pour ka éviter que le trouver dans situation ça. Qui ça dépend de mon nan. Prévention primaire, secondaire, tertiaire. Prévention primaire c'est surtout bon, nous ka dit que bon, si nous parlons de prévention, un peu de fois, c'est des dépistages. Vous comprenez? Et il y a des gens qui sont supposés aller au docteur pour voir comment matrice est. Est-ce que vous pouvez avoir des gens qui ont des fibromes pour évaluer comment matrice est-ce que c'est normal? Un peu de fois, il y a des gens qui font des tests pour voir si vous n'avez pas gagné certains virus, certaines bactéries qui sont en développement et dans appareil génital ensuite tout pour est-ce que hormonalement ou en forme est-ce que vous pas souffrir l'autre maladie est-ce que vous avez une diverse tension pour que vous contrôlez car interniste ou normalement avant enceinte est-ce que vous avez un problème thyroïde pour contrôler avant enceinte est-ce que vous avez une maladie auto-immune toute cause nous te dit là yo c'est des parfois il y a des facteurs qui ont agi sur yo on dit thyroïde là depuis mon problème thyroïde ou bien problème hormonal ça je ne casse à rien puis l'instant de la cale après c'est il agit sur cheveux mon n'a pas du cheveux oui oui donc on a besoin de ça et surtout et thyroïde et problème donc chaque cause yo gagne des types de prévention mais en général gagne certaines causes d'où pas qu'à agir sur yo donc on malformation chromosomique le plus souvent ils sont des gens qui malformés etc donc ça on va prévoir sauf que et certaines personnes à partir de 40 ans yo moun qui a fait ti moun après 40 ans yo mandé pour que ou fait des tests OK actuellement il y a des tests qui assez avancés il gagne réussi nous bon en fait gagne certains que nous gagne gagne triple test donc son test qui très avancé que ou ka fait pour si gagne des risques de malformation gagne ça les quadruple test tout comme qui gagne quatre éléments que contrôler et puis gagne ça les tout panorama actuellement la panorama c'est l'une utilisé. Bon, moi, je connais un médecin ici qui fait, et qui a un test là, qui utilise. Côté que, à partir du sang, il y a déterminé un risque, un pourcentage de risque qui a pour certaines malformations. Donc, il y a un monde qui a enceinte après 40 ans, il est important pour faire certains tests de dépistage. Parce que là, il y a un risque pour tout le monde qui a une malformation. Et donc, pour faire avortement tout, parce que dès que nous connaissons grossesse, il y a des tranches d'âge, côté que à partir de eux-mêmes, on dit son grossesse à risque. Que ce soit adolescent, là, son grossesse à risque. Ça qui fait là avant 25 ans, avant 20 ans, yo, qui bonheur, 14, 15 ans, c'est à risque. Comme ça, tout, à partir de 40 ans, il y a des gens qui ont fait ce monde, et donc, il y a risque. Donc, prévention, ça, il est important tout. OK. Un monde qui est habitué à faire avortement déjà. Qu'on y a là tout ça bah là c'est pour mon qui pour quoi j'aime faire avortement mon en fait prévention là le fait évaluation quand un gynécologue vous font des tests est-ce que il pas bien problème pour porter petit monde OK mon on suppose que mon n'a pas fait ça et puis qu'on y a l'enceinte il perd son premier perd son deuxième qui espoir qui prévention bon en fait c'est ça justement une partie d'un sujet que nous pouvons vraiment aborder c'est l'avortement récurrent
Maintenant, avortement récurrent, c'est qui ça lié? C'est ou bien fausse couche spontanée récurrente, tout, il y aurait le comme ça. C'est lorsque yon moun enceinte, par exemple, au moins deux fois. Autrefois, on te dit c'est trois fois suivi. Mm-hmm. Ça veut dire que moun enceinte trois fois suivi, li pas sauvé grossesse, li fait avortement. Ou du moins, moun actuellement, yon mette la deux. Dès qu'on enceinte deux fois suivi, c'est pas vous-même qui fait imprudence, c'est pas vous-même qui prend substance pour que ou avorter ou du moins ou pas aucune imprudence. Si vous êtes tombé pour contre lui, nous déjà nos cas de avortement ou du moins fausse couche récurrente. Donc en pile fois fausse couche récurrente là, c'est cause nous se dit là en général, il y a la donne. Okay. Mais le plus souvent c'est ou bien des problèmes hormonaux, gens que nous sommes dit, nous avons parlé d'ovaires mucopolykystiques, des thyroïdes, diabète, etc. Et parfois tout problème immunologique. Donc c'est même cause. Nous parlons des causes inconnues. Premier, exactement. Il y a des causes inconnues tout. Parfois. N'a pas qu'un petit monde. Exact. Parfois. Exactement. Parfois et même dans littérature médicale là, il y a dit que et gagner des causes inconnues que nous-mêmes nous gagner des causes que pas identifier du tout qui ça cause. Mais dans le cas d'avortement récurrent, la première chose à faire c'est identifier la cause. Moi-même quand je vois des cas comme ça, côté que nous fait toute tension nous vraiment aller loin. Parfois nous-mêmes quand dit mon bon c'est le cas voyager, elle fait certains tests pour nous et tu aller retourner, yo aller retourner, nous pas rejoindre exactement la cause. Mais la première chose à faire, c'est identifier qui ça qui à la base. Mais moi-même, personnellement, ou du moins dans la pratique médicale, là, d'autres confrères, tout, le plus souvent, c'est des problèmes hormonaux. Okay. Quand on a un problème, ovaire qui n'a pas supporté la grossesse, etc. Donc, en pile fois, c'est ça. Donc, prévention est basée surtout sur la cause. Là, et y a l'autre bagage encore, c'est bien cervicoïsmique, là, tout, qui est très courant. Et non, mais ça nous a contrôlé, ou d'accord ça? Ça, bon, c'est le plus facile. Pourquoi? On va dire plus facile, mais c'est une cause que ou ka agir sur lui facilement. Par exemple, tout le monde connaît des problèmes. Ça, c'est des gens qui sauvent les gens. Parce que automatiquement, le docteur a dit, fait cerclage, repos total. Exact. Et puis, donc, ça... Mais parfois, tout, et les gens qui sont venus tardivement. Okay. Donc, parfois, les gens qui sont venus... Mais la perdition, il va perdre les gens. Justement. Le ça, si vous avez identifié, diagnostiqué une compétence cervicale, là, le ça, il y a une capacité pour... Même chaud même nous qu'on arrive à sauver, ça veut dire que nous qu'on gagne pendant que si nous qu'on l'a dilaté, nous qu'on arrive, nous intervenir. Mais c'est que là j'ai fait une salle d'opération au fer ou bien en clinique? Oui, dans la salle d'opération, parce que justement, il faut les anesthésies qui, parce que nous qu'on est grossesse là, on va les prostaglandines qui a libéré le café matin sans contracter, et puis bon voilà. Ça y est. Justement. Donc gros dossier. Ou pas gagner on a dit encore sous dossier nous les censé arriver sous avortement spontané. Sous bon, dernier bagage on pas ajouter, c'est donc, le. Donc si que ça pour nous comprendre c'est que avortement spontané gagne un ensemble de causes qui bagage. Gagne un pile problème gens que nous te dit dans l'émission qui ca à la base d'un avortement spontané et parfois tout ca gagne une cause que docteur pas ca faire la donne parce que parfois quand son bagage intrinsèque dans ti monde qui à la base. Mais maintenant ça qui est important on monde supposé toujours faire check-up médical, fait check-up kaido gynécologue, surtout sur son monde qui gagne intention ou pral enceinte, ou du moins souté enceinte déjà une fois, li tombe pour contre li, ou pas contre qui ça à la base, li important pour que ou aloué gynécologue, vraiment. Même pas c'est cause que mon yon pas connu, la gueule sous voisine, non, vous voyez, ou bien sous la magie, ou bien famille messieurs, ou bien ou ménage messieurs à te gagne, donc mon yon pas approfondi ba yo. Et nous connaissons ça, ben, pile problème dans le foyer, et surtout, et parfois pour fille, et ça représente un problème, mais quand même, il suffit que ou est gynécologue, et bien pour connaître exactement qui ça à la base, et le sont capables et joindre une solution si que dans cadre de choses que nous-mêmes nous avons résoudre. OK docteur Bogé Grégory, c'est un plaisir pour nous t'ai une émission bien-être et beauté qui genre et téléspectatrices yo téléspectateurs yo capable faire vous contacter docteur Grégory Bogé. D'accord, donc nous-mêmes c'est gregorybogé.com. Nous sommes capables d'aller sur le website, là, d'abjeuner des informations, etc. Et le numéro de téléphone, nous, c'est 38 27 60 52. Ou du moins, dans le 31 numéro 26, nous sommes capables d'aller dans le complexe médical polyvalent. Vous avez un numéro encore parce que vous... Donc, 38 27 60 52. C'est le numéro est très facile.
38 27 60 52. Donc mon yo a besoin moi ce numéro ça. C'est un plaisir. Avant nous aller j'en nous te dit dans début émission qu'on y a dans nouvelle année ça nous porter une rubrique qui dit qui ça ou doit faire pour tel ou tel sujet et nous t'ai annoncé déjà est-ce qu'on doit utiliser savon lessive ou bien savon ça nous les savon laver pour baigner. Pour qui sont pas doué utiliser savon lessive là pour baigner ni pour mettre dans visage surtout. Premièrement savon nous laver à mesdames ou bien messieurs. C'est un savon li basique. Tout le monde qui est à l'école, quand ça a un basier, quand ça a un acide. Et quand nous, cheveux nous, li acide. So observé ensemble avec, supposé qu'un bécor a un pH acide. Là. Le nous dit pH, brièvement, pH, c'est potentiel d'hydrogène. Lorsqu'on produit dans mon, regardez, est-ce qu'elle gradue de 0 à 7, à 6.99, ou laisse li acide. Et les li a 7 li neutre tant que de l'eau c'est un pH neutre qui c'est 7 et l'elle commence dans 7.1 rivé dans 14 li basique. Donc un produit qui basique qui c'est en base ou pas ka utiliser sous peau ou pas doué utiliser sous peau et si pour une raison pour une autre ou ta doué utiliser que ça va exister faut après ça ou neutraliser pour capable retirer ça fait long monde fait défrisage. Ou mettons produit dans cheveux ça nous relève permanent vulgairement on y a formé un shampoing neutralisant pour ca quitter cheveux à dans condition de pH normal li qui c'est 4.4 ou bien 4.5 qui c'est pH corps à cheveux. Donc monsieur dame suspend servir avec savon lessive parce que monde qui dit il fait éclaircir il retire graisse et l'autre complication gain soit servir avec il capable causer des infections parce que ou gain des microbes qui utile nous toute microbe pas nuisible microbe qui utile nous savon li détruit on y a venir rendre peau vulnérable facile pour prendre infection donc quitter pour nous dans niveau pH acide que lié pas utiliser savon lessive c'était la conseil pour moi pour nous aujourd'hui à notre émission bien-être et beauté on a une autre rubrique semaine prochaine c'était avec nous Léonie Desroses infirmière trichologiste qui a dit nous bye bye l'attend nous pour l'autre émission qui plus belle la semaine prochaine. Cheveux ap cassé ou gen chit ou gen problème santé ou besoin conseil sur nutrition ak sport émission bien-être et beauté c'est un espace côté nous discuter des impacts la santé la propreté ak environnement gagné sur bien-être monde. Émission bien-être et beauté a passé chaque samedi 7 p.m. mardi 7 a.m. vendredi 4 p.m. Émission bien-être et beauté c'est une émission tout neuf qui a passé chaque samedi à 7 p.m. Relais Centraca dans 43 06 42 85 pour information. Émission bien-être et beauté pour être belle et en santé.